Coucou, ami cancer, nous allons voir ensemble ce que ton ange gardien a à te transmettre pour ce mois de juillet 2023. C'est parti. Quel message? Simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Voilà les cancers, ce que votre ange gardien a à vous transmettre. Donc je vous explique. Votre ange vous dit que parfois vous vous compliquez peut-être inutilement la vie en vous laissant assaillir par toutes sortes de doutes. Votre ange vous demande de puiser dans la simplicité car vous êtes votre principal obstacle. Niveau 2. De ces doutes hein, qui viennent de l'anxiété. Hein. Donc votre ange hein, vous demande de puiser en vous, au hein, niveau de cette simplicité. Hein. Toutes ces questions que vous vous posez hein, ne font que vous enlever d'énergie, hein, votre ange vous dit. Hein. Sans rien, hein, sans aucun résultat. Ça vous apporte rien à part... mais des doutes, des blocages, des ralentis. Et aucun résultat. Votre ange vous dit hein, de cesser hein, de vous tourmenter, de vous inquiéter, de douter. Tout ça, ça entraîne de l'anxiété, du stress. C'est pas bon pour vous. Et ils vous disent bien, confiez-vous à leur sagesse. Vous serez même émerveillé de voir que la situation est bien moins compliquée que vous l'auriez cru. Si vous vous laissez un peu aller et confiez-vous à votre ange gardien, ils vous disent que si vous avez le temps, faites quelques exercices de relaxation. Ne faites rien d'autre que de penser à votre corps, les cancers. Pour ce mois de juillet. Voilà, j'espère que ce message vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.